Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Paige dans Paper Trail. On était dans les ruines avec ces scrogneugneux de casse-tête de pierre qui bougent, qui nous gênent la vue et le chemin surtout. C'est parti! Et donc, comme je le disais, t'es coincé sur ce puzzle. On a vu qu'il y avait les petites maisons qu'on pouvait atteindre. Mais pour ça, il faut pouvoir plier un minimum. Et on a vu également qu'on pouvait ici plier pour avoir les 4 en face des 4. Sauf que du coup, bah, la statue que j'ai mis là, elle me les brise. Donc, est-ce que, par exemple... Ouais, sauf que là, je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir la déplacer plus. Est-ce que... Par exemple, imaginons je remets Patch ici. Imaginons je remets Patch là. Imaginons on va là et on fait ça. Imaginons toujours on va jusque là. Est-ce que... Bah non, je peux pas déplier. Par contre, je peux repousser la statue. Qui m'embête toujours autant parce que je peux pas replier dans l'autre sens. Donc je peux la remettre là. Youpi. Ce qui n'a absolument aucun intérêt. Je peux la mettre là. Ce qui m'empêche de replier ici. Scrogneugneu. Je peux la pousser dans l'autre sens. Mais je reste toujours coincée comme ça. Alors peut-être que du coup, la pousser dans l'autre sens, c'est pas une si mauvaise idée, mais peut-être est-ce qu'on peut la faire descendre? Est-ce qu'on peut la faire descendre? Est-ce que je peux plier ça par exemple? Non, ça je peux pas le plier, hein. On est d'accord. Du coup, je peux pas la pousser dans un autre sens que par là. Je peux faire le tour et l'amener là. Est-ce que ça m'arrange? Non, je peux pas l'amener là parce que... Si, je peux l'amener là. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Je peux la pousser. Est-ce que ça m'arrange? Je n'en ai strictement aucune idée. Je vais retourner là. Est-ce que ici... Non, ici ça m'arrange qu'à moitié, hein. Et ici, à cause de ça, je peux pas la... Je peux la tirer. L'impression de tirer ma statue sur toute la map. On a dit qu'ici on pouvait plier, sauf qu'il me manque toujours un. J'ai toujours pas à atteindre ça. J'ai toujours pas à atteindre ça. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour atteindre ça?
dégager cette statue. Elle peut pas descendre. Ah, mais elle peut monter. Elle peut monter. Voilà, c'était ça l'astuce. Et maintenant, on peut replier et passer. Parfait. Bon sang, la porte est coincée! Si seulement j'avais une autre paire de mains! Ok, donc encore un panneau en plusieurs parties. On a un origami là. Parfait. On a une clé, une porte. L'autre porte est... L'autre porte est là. La serrure est là. Ok, du coup, ça veut dire qu'on a une statue ici qui nous gêne. Peut-être pour faire des choses. Je peux aller là. Est-ce que ça m'intéresse vraiment d'aller là? Pour l'instant, j'ai pas la clé. Donc je dirais non. Je peux pas tout à fait aller ici. C'est déjà un peu plus prometteur. Après, on peut peut-être tout simplement aller ici, du coup. Voir jusque-là. Et ensuite replier. Et donne-moi le bon coin. Ouais, non. Non, parce que j'ai toujours ce problème-là. Je peux pas passer de ici à là. Ok. Par contre, non, ça va pas me permettre de passer non plus. J'ai pas d'idée. Ah si, voilà. L'idée, elle est de passer en intermédiaire là-dessus. Sauf que du coup, je peux quand même pas remonter ici. Et que la statue, elle me brise les cacahuètes. J'ai pas de TP de ce côté-là. Hein. J'ai vraiment rien. Après, est-ce que je rends les agences en direct différemment? Ah, mais je peux peut-être. Oui, voilà, je peux squeezer comme ça. C'est pas parce que je vais de ce côté-là de la map que ce côté-là ne m'intéresse pas. Ok, j'ai cette statue. Alors je peux pas tout à fait y accéder, bien évidemment, sinon ce serait pas marrant. Vous êtes en train de me dire que je suis là. Ok, je prends la clé. Du coup, je fais le chemin dans l'autre sens, comme je viens de le faire. Et on ouvre la porte. On passe ici et on pousse cette statue-là. Sauf que je suis coincé. Ce qui était une pas si mauvaise idée, sauf que quand on est coincé, ben on est coincé. Donc, si je suis coincé, ça n'a pas d'intérêt. Je la remets là. Faut pas oublier qu'on a notre petit copain à aller chercher. Alors par contre, est-ce que je peux
Si je fais ça, je me retrouve ici, de ce côté-là. Ce qui est pas top. Je peux libérer ça en mettant la pierre là, mais est-ce que ça a un vrai intérêt? Je ne sais point. Je pourrais presque. Est-ce que je peux. Non, c'est pas au même niveau, ça. Après, je peux toujours ajuster, mais. Si je la mets là. Si je peux repartir. Je peux repartir par là si elle est pas là. Comment elle ne pourrait ne pas être là? Comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que elle va aller là. Nous, on va aller là. Et on peut repartir. Sauf que du coup, elle est au niveau de notre origami qu'on aimerait bien attraper. La bonne nouvelle, c'est que du coup, je suis libérée. Donc, on va pouvoir réfléchir à des choses. Quelque chose me dit que si je la mets là, c'est débile. C'est bien pour ça que je le fais, hein, sinon ça serait pas fun. Je peux pas passer là, je peux pas passer là. Je vais la reposer sur son socle. Faudrait que je la pose en fait à un endroit qui me pose aucun souci. Genre. Ah, je peux pas les aligner là. Je peux pas les aligner ces deux-là. Si, si, mais oui, mais j'ai un trou du coup. Oui, c'est bien mon problème. Cette statue. Tu me brises les cacahuètes, chère statue. Parce que certes, je peux passer comme ça, mais il faudrait que je puisse redescendre là. Et là, je me suis un peu coincé. Je me suis un peu coincé, je me suis un peu coincé. Hop, hop, donc on revient par là. Je vais pousser celle-ci. Hop. Je peux pas la contourner. Ah, c'est ce que je craignais. Je peux pas la contourner. Et là, voire même, je me suis softlock. Pas forcément. Du coup, est-ce que je peux, genre, tirer celle-ci ici? Et genre, la foutre sur un de ces trucs-là. On sait. Alors par contre ça j'en ai besoin. Je vais en avoir besoin pour aller chercher mon. Genre je te pousse. Je te pousse là. Et même je te pousse. Je te pousse. Je te pousse là. En fait, même plus précisément, je vais te pousser. Ici. Puisque j'ai deux statues, je peux tout à fait choisir celle que je mets ici. Sauf que du coup, celle-là me casse les cacahuètes de nouveau. C'est pas comme si
C'était pas prévisible. Hop. Et je la mets à côté de la première. Je sais pas si c'est un intérêt. Sans doute pas parce que je peux pas repasser, pas par là. Je peux passer par là. Non, je peux pas passer par là. Si, je... non, je peux. Mais je peux aller là. Ce qui était mon objectif. Pour prendre cette origami. Voilà. On trouve la tortue. Et ensuite, je peux aller là. Je peux aller là. Et je peux aller là. Parfait. Sapristi, tu as réussi à passer. Tu peux peut-être m'aider à déchiffrer ces gravures. Autrement, je crains qu'on ne puisse pas aller plus loin. An ancient door blocked our path forwards. With a low rumbling, stone plinths shook and then slowly parted. Peering into the small opening, a sense of claustrophobia took me back. After the incident, we were confined to the house. Mum and Dad were too worried for us to leave. As the hours dragged by, it felt like the walls were closing in around us. He stared longingly out the window, and I asked Oscar how he vanished. He said, if I promised not to tell, he'd show me. Our eyes adjusted to the darkness. Was this what she'd been searching for all these years? I offered to stay and help gather artifacts, but she insisted I carry on without her. Et voilà donc ce qui conclut les ruines pour la prochaine fois. Je pense que c'est le temple. On va vérifier. C'est ça, c'est le temple. Mais comme je le disais, ce sera dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce, comme d'habitude, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!